Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et on se retrouve pour la suite de Alien Isolation avec le log numéro 7. Aujourd'hui, on va essayer de progresser et ne pas mourir et on a notre ami Alien qui vient de passer devant la porte. Ah, on s'est quitté sous la table, on reprend l'aventure sous la table, hein, c'est clair, c'est évident. Je tiens à noter que cet épisode sera probablement en 60 FPS, donc essayez de mettre la vidéo en 60 FPS, en 1080, ça ne passe qu'en 1080 en fait, la 60 FPS sur YouTube, donc eh bien faites cela, comme ça vous aurez tout simplement le double du débit d'image, donc c'est toujours mieux de pouvoir faire l'expérience d'une vidéo avec un débit d'image doublé, 60 fps au lieu de 30. Et notre ami est juste là. Ah, il est là. Ah, il est genre vraiment là. Est-ce qu'il va me buter cash? Ça a l'air de pas être le cas. Ça a l'air d'aller. Salut. Allez, va-t'en. Voilà, t'es longue queue, dis-moi. Alors apparemment, on entend le motion tracker. Hein. On entend le détecteur de mouvement. Donc il ne faut pas non plus l'agiter comme un débile tout le temps. Ce que je faisais un peu trop tout le temps tout à l'heure. Bon, il a l'air de s'en aller. Bon, c'est cool. C'est cool, il est parti. On va aller dans la ventilation droit devant. J'espère qu'il va pas être dedans, sinon je suis mort. Bon, il est pas droit devant. Allez, go. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On va rester ici. Non mais, cache-toi, voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors où on est? Il est pas dans le coin, on va regarder la carte. Où est-ce qu'on doit aller? Très bien, on doit prendre ce couloir, et tourner directement à gauche. Et fouiller les salles de tournée du docteur Morley. Donc ça m'a l'air très grand, super. C'est pas grave. Ah, on a du mouvement. Il est genre pas loin du tout là, a priori. Il est pas loin du tout. Donc oui, voilà, hein, mettez la vidéo en 1080p et forcez-vous de le faire. Comme ça, vous aurez tout cela en 60p et c'est cool. C'est toujours mieux de jouer, de voir. En fait, là, ce que vous verrez, c'est vraiment exactement l'image que je vois moi quand je joue. Donc c'est plutôt cool. Ah. Ah, il arrive. Est-ce qu'il va passer la porte? Peut-être que oui, peut-être que non. Oh, il est assez timide, notre ami. Alors là, clairement, je vais pas sortir parce que je dois emprunter le couloir dans lequel il est. Notamment à l'autre bout, en fait. Il est à l'autre bout. Donc, reviens. Voilà. Ouvre la porte en passant exactement. Oh, putain. Salut. Salut, salut. Non, mais tu peux sortir, y a rien. Hein? Y a rien du tout. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bon. Y a rien dans la salle. Tu le vois bien. Le mec court dans le mur. Là, je le vois, il marche dans le mur. Oh la vache. Ah, il est vraiment tout près, là. Ah, là, il est vraiment tout près. Allez, ressort. C'est bien. Et maintenant, va à droite. Très bien. C'est bien. Et effectuez-le, monsieur. Et il est toujours là, c'est gênant. Ah, il a l'air d'être parti. Voilà, il est parti. On va pouvoir avancer un peu. Oh, vite, 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 faut fermer. Il est où maintenant? Vite, faut se cacher là. Hop, voilà. On regarde la map. Alors, oula. Vous êtes sérieux? J'ai toutes ces salles à vérifier. Ah, en plus, vous savez, c'est exactement les salles que j'adore checker. C'est-à-dire que c'est une salle avec une entrée et aucune sortie. Ce qui est relativement génial. Hein, bah, il est juste là maintenant. J'ai l'impression qu'il vient de sortir d'un conduit. Je crois que c'est ça. On va le voir passer juste devant, je pense. Hein? Effectuez-le, monsieur. Il est toujours bien affectueux. On va l'appeler Benny, l'alien. Je pense que c'est plus... Mais il est où, là? J'ai l'impression qu'il est au-dessus de moi, quoi. Je me demande s'il va pas embarquer, là. Oh. Ah oui, genre là, il était genre à 2 cm de... Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il danse la polka autour de moi. Oui, allez, va-t'en!
Oh là là, qu'est-ce qui s'accroche, c'est dingue. Je croyais que j'avais fermé cette porte. Mais n'importe quoi. Porte Nawak. Allez, la porte se ferme. Voilà, on sort. On passe ici. Ah, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Attendez, il faut que je retourne dans le truc là. Ah, il faut que je retourne auprès du docteur. Alors, est-ce que j'ai pas un peu trop de bol? Parce que j'ai trouvé pile poil ce qu'il me fallait, genre en mode parfait. Reroutage système. Non, mais on n'aura pas besoin du reroutage système, j'ai pas envie d'y retourner. Ah, et l'autre, il est là du coup. Ok. Ah, oh, je dois me retaper toutes les pièces là-bas, là. Ah, vous êtes sérieux? Je dois me retaper tout ça. En fait, ce qui serait parfait, c'est que je puisse désactiver la... cette porte que vous voyez au centre de l'écran. Mais ça voudrait dire... Alors, ce qu'on peut tenter, hein, éventuellement, c'est retourner dans le bureau A29 pour checker si le système de reroutage, on peut mettre de l'énergie dans cette porte. Ce qui serait quand même bien bénéfique. Bon, il est où? Et je reproche. Ah, la porte vient s'ouvrir, il va sortir. Voilà, viens. Fais comme chez toi. Maintenant, barre-toi. Allez, Benny. Bah oui, Benny. Non, non, tu m'as pas vu. La vache, mais il allait droit, il allait pile droit devant, droit vers moi, quoi. Pas du tout flippant. Allez, sors. Faut pas que ça lui coupe la queue, hein, quand il se met à... Bon, allez, on va retourner voir dans le bureau. Alors, le reroutage. Alors, vite, genre vite, 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 là, du coup. Je crois que j'ai activé un truc, je sais pas si c'était bon. C'est pas grave. Ça, mais non, mais c'est pas possible de faire autant de bruit quand on se cache. Sans rire. Bon, écoutez, je sais pas si c'était bon ce que je viens de faire. Voilà, contrôle d'urgence. Voilà, ça ferme la porte tranquillement. Comme ça, je peux explorer, pépère, ce que j'ai à explorer. Alors, j'ai déjà exploré ça. Ah oui, j'ai déjà mon inventaire plein niveau fumigène. Donc, c'est lui, Morley. Eh ben dis donc, il a pris cher le coco. Alors, il a pris cher le monsieur. Ah, utiliser. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, je peux rien... D'accord, ok, très bien. Mais mec, jouer aux échecs avant de crever, c'est toujours sympa. Oh, il avait masque, quand même. Oui, oui, genre vite, là, vite, on rentre. Mais juste là. Mais je me demande si le reroutage de... Enfin, le blocage de porte urgence... ça marche... Oh putain, il est juste là. Non, non, ça marche genre pas du tout en fait. J'ai l'impression que ça marche que pour un temps donné. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger un petit bout de... Qu'est-ce qu'il fait? Allez, sors, tu les as déjà butés, c'est bon. Monsieur, oui, allez, Benny, va-t'en. Ben oui. Ben oui, merci, Benny. Allez, salut. J'attends que la porte se ferme. Bon, il y a plus... C'est bon, il est parti. Bon, il est parti malgré le fait que je détruise totalement la porte. Il revient par là ou pas? Il s'en va, on dirait. Non, il s'en va pas du tout. Il s'en va pas du tout. Non, mais sans... Ça court tellement vite cette bestiole, c'est pas possible. Dès qu'il s'approche, en plus les bruits de pas sont extrêmement forts. Je sais pas si vous avez le fond à fond, hein. Oui, oui, parle bien la France. Je sais pas si vous avez le son à fond, mais moi je l'ai et du coup, dès que j'entends des bruits de pas, je suis en mode ah, il est à 2 cm, il est sur mon oreille. Mais pas du tout. Non, mais genre, il est de l'autre côté du mur, j'ai l'impression. En mode. Non, mais j'ai bien entendu une porte se claquer. Le mec est là. Il y a une porte qui vient de se claquer, je suis pas con quand même. Il va re-rentrer de nouveau ou quoi? La porte elle est ouverte? Non, elle est fermée la porte. Ah bah oui, allez, re-rentre. Fais-toi plaisir. Ah non. Elle est dans les... Ils sont dans les murs! C'est bon, il s'est cassé. Ok. Ok. Alors du coup, on peut revoir... parce que je sais pas si j'ai vu toutes les pages du système de reroutage. Ah. Ah oui, du coup.
Ouais, du coup, en fait, c'est pas intéressant du tout. Voilà, on fout le bordel avec le système de l'alarme. Comme ça. Alors attendez, je regarde un peu mon plan d'attaque. Donc là, en fait, le système de reroutage, on est déçu. Il n'y avait pas du tout, vraiment pas du tout de possibilité d'ouvrir cette porte-là au-dessus de A26. Donc écoutez, je crois qu'on va devoir se retaper vraiment tout. J'ai quand même envie d'aller la voir, cette porte. Ça me gonfle de partir sans la checker. Parce que de retourner dans tout ça, là, c'est un enfer. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour le faire. Du coup. Bon, on va y aller quand même. J'ai des balls. Et évidemment, il est toujours là, hein. Oui, oui. Parce que, alors, j'ai cru lire sur un blog post que les devs avaient fait quand ils développaient encore le jeu. Ah ouais, genre là, il est dans les conduits. Ah, il est au calme dans les conduits. Alors là, il vient de descendre du conduit, je crois. Puis là, il vient vers moi. Voilà, il va ouvrir la porte, il va rentrer et tout, il va me faire peur. J'avais lu, en fait, dans un blog post que... Voilà, je vous l'avais dit. Que, en gros, les... Ouais, non, par contre, tu vas... Oh là 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 là, il est juste devant, là. Eh non, mais t'es sérieux? Il a la tête dans le truc. What? T'es sérieux? Non, mais c'est n'importe quoi. Je suis déçu. Je suis grave déçu. En fait... comment on retient son souffle? Parce que depuis le début, je crois que je me trompe de touche pour retenir son souffle, en fait. Je suis un tout petit peu déçu. La vache. Ah, il m'a bien chopé, là. Tu sais, je faisais le malin et tout. Ouais, il va passer là, tranquille, il va pas me voir. Que dalle, il m'a bien vu. Il m'a bien grillé. Donc, attendez, je vais regarder vite fait dans les contrôles. Où est-ce qu'on retient son souffle? Jeu, ça doit être dans jeu. Commande. Oui, commande. Retenir son souffle. C'est pas écrit, retenir son souffle. Attendez. Se déplacer, courir, regarder, s'accroupir. Ouais, bah ouais, vous êtes marrant, mais... Y a pas à retenir son souffle, hein. Attendez, je vais regarder juste dans ce placard. Je vais tester dans ce placard. Voir si ça change quelque chose. Je sais pas, en fait. Y a eu l'info qui est apparue. Ah bah évidemment, il va venir. On est de retour au même endroit. Bon, maintenant je sais quoi faire, donc ça va. Bon, écoutez, on se retrouve dans le même état où j'étais quand il me l'a buté, ok? À tout de suite. Ok, bon, on est un peu dans la même situation que tout à l'heure, sauf que j'ai changé de placard. J'ai trouvé donc la carte du docteur Morley. Et là, il passe au-dessus de moi. C'est fantastique. Il fait n'importe quoi dans les conduits, il passe dans tous les sens. Donc là, il vient de descendre. On connaît la chanson. Oula, oula. Là, il est pas loin, je crois. Où qu'il est? Où qu'il est, le bestiau? Ah, il est genre juste à côté. On va éviter de faire trop de bip-bip. Alors, je crois que c'est reculé, hein. C'est left stick, hein. Je crois que c'est left stick que j'ai vu sur la notice, hein. C'est pas dans les contrôles, mais je crois que c'est ça qu'il te demande de faire quand la bête est trop près. En gros, moi, tout à l'heure, j'étais comme ça, genre... Ah oui, il est où? Il est où? Alors qu'en fait, faut reculer dès que le mec est trop près de toi. Et ça te fait retenir ta respiration. Non, mais il va bouger, par contre, parce que depuis tout à l'heure, il est là. Allez, dégage! Dégage, je regardais un petit peu un autre YouTuber américain faire le Let's Play, et il allait quand même un peu plus vite que moi, parce que, bon, il a pris la difficulté d'en dessous, et son alien fait des rondes beaucoup moins serrées, hein, vraiment, hein, c'est notable. Hein. C'est clairement pas pour les ploucs, la difficulté hard, hein. Ça te fait beaucoup plus, agir avec précaution, tout simplement. Parce que l'alien est vraiment, vraiment au taquet niveau des rondes, il bouge tout le temps. Enfin, là, sauf là, là, genre, il est à côté de la boîte, il sait que je suis là, en fait, il attend que je sorte pour me buter. Donc c'est ça. Il a l'air loin quand même. Mais j'ai pas envie de sortir parce que si ça se trouve, il m'a en ligne de vue. C'est ça qui est pénible en fait. Non mais genre, il est méga loin en fait. Non mais il est méga loin, non mais go quoi. J'ai entendu un bruit qui me plaît pas là. J'ai entendu genre un hiss là. Qui m'a genre pas du tout plu. Mais pas du tout plus, quoi. Je sais pas s'il m'a vu, mais... C'est la première fois que j'entends ce bruit, en fait.
Je suis pas allé dans ce bureau, je crois. Non, je suis allé dans la 29, ça c'est le 28. Quel genre là, je crois qu'il va rentrer dans cet appart. Dans cette chambre de patient. Ah, c'est exactement les mêmes chambres en plus, c'est super pour se paumer, ça c'est parfait. Il n'a pas l'air de vouloir rentrer, on dirait. Bah alors, Coco. Bah, il est plus là, d'accord, super. C'est pas possible le bruit qu'il a fait à chaque fois. Ok, il va par là. Pack de recharge, très bien. Hors service, génial. Encore mieux, j'ai envie de dire. Ok, il est là-bas. On va aller un petit peu par ici. Allez, dites-moi que je passe la carte, là. Nice. Nice, nice, nice. Parfait. Par contre, il me faut un endroit où me planquer, là. Là, je suis pas... Je suis pas tranquille. Voilà, on est bien, là. Alors, on doit aller où, maintenant? On doit aller par là. Très bien. Alors, on parie combien que le mec s'est fait buter que le mec s'est fait défoncer pendant que j'étais en train de... Non, je voulais pas aller là. Non, voilà. Comment... Ah, ils sont comme ça qu'on change d'étage. Non, c'est bien à cet étage que je dois être. Le docteur Kuhlmann. Donc, c'est lui qu'on doit retrouver. Et non pas le docteur Bushman, hein, attention. C'est important. Donc, le docteur Kuhlmann est là, mais je vois pas trop comment je peux le rejoindre, en fait. En fait, je pense que c'est lui qui m'ouvrira la porte. Est-ce qu'il est dans le coin, notre ami? Bon, apparemment, non. Donc, écoutez, on va y aller. On va rejoindre docteur Kuhlmann. Docteur Kuhlmann! Docteur Kuhlmann! Ah, on va sauvegarder. Nice. Hop. Voilà. On a eu du mouvement, mais c'est peut-être docteur Kuhlmann. Docteur Kuhlmann a tendance à bouger sur sa chaise tout seul. On le sait, c'est son habitude. Il est là. Il est pas mort. Super. Damn you, Kuhlmann. You knew that thing was here. Now, that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now, the passcode. 1702, okay? Ils sont sérieux, il est là. Down to the dispensary. Of course, of course. Arrête de gueuler, il est là, l'alien. Il a pas l'air très alarmé quand même, hein. Je sens qu'on va le voir se faire buter, mais genre comme une merde. Juste comme ça, l'alien au-dessus de toi. Hein. Il est genre au-dessus de nous, quoi. On doit aller où, par contre? Non, mais genre l'alien, il est là, quoi. Il va tellement se faire défoncer, je le sens. Salut. There. I'll collect my things and we can leave. Oui, oui. Non, mais là il va se faire défoncer. Ah non. Je pensais. Pourtant, l'alien est genre au-dessus de lui. Hein. Ah bah voilà. Salut. Ah bah là, là, ouais. Là, là, il est foutu, là. Ok, on se casse. On se casse, on se casse. Voilà. Eh bien, oui, voilà, merci. Attends, mais je m'en doutais tellement. Je m'en doutais tellement. Il est où, l'alien? Non, mais il faut que ça descende, par contre. Non, c'est pas possible. Faut que ça descende, genre, now. Non, mais now. Non, merde, 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 merde. Vite, 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 vite. Non. Non. Mais non, je pensais que j'avais pris l'ascenseur à temps. Super. En fait, je pensais que l'ascenseur était déjà en train de descendre. Et je voyais les portes pas se fermer. Bref, c'est pas grave, on se retrouve dans l'ascenseur. Ok, bon, cette fois-ci, on va pas se foirer. Vite, 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 l'ascenseur. Ok, bon. C'est tellement con comme je suis mort avant. J'en ai un tout petit peu honte, un tout petit peu beaucoup. Je pensais vraiment que l'ascenseur descendrait une fois que j'avais passé la carte. Mais non, évidemment, il faut encore appuyer sur un autre bouton. On n'est pas sur de la technologie si moderne que ça. Hein. On est toujours dans cette vision de la rétro-technologie. Trouver un kit d'urgence, très bien. Évidemment, il est encore là. Non, mais vous êtes sérieux. Ça lui arrive jamais de, je sais pas, de me lâcher. Il y a plein d'autres gens dans cette station. Hein, Benny? Tu peux aller voir les autres gens. Je sais que tu t'es entraîné chez les guerriers Maasai au Kenya, en Amérique. Mais il y a plein d'autres mondes à buter. Genre, vraiment. Ah, on va crafter dans cette boîte. Voilà. Parce que, de toute façon, c'est pas possible de crafter ailleurs. Dans mon... Non, ah, d'accord, très bien. Pour crafter, en fait, il faut que je sorte automatiquement. Génial. Génial. Bon, on va crafter, on s'en fout. On s'en bat les steaks, comme disent les jeunes. Je peux... Ah la vache, ça demande tellement de... Bon. Hop.
Hop. Voilà. Grenade aveuglante fabriquée. Et on va faire une autre peut-être. Alors, on a le stuff pour la faire. Hop. Voilà. Ok, on est bien. On est full en grenade aveuglante. Très bien. Écoutez, on va progresser un peu, même si on sait que Benny est toujours dans le coin. Ah, du stuff. Nice. Ok. Ok, on progresse. On a réussi à sortir cet enfer. Il y a plein de body bags, c'est génial. Quelqu'un a laissé un taser. Ah, nice. Ça va être une arme. C'est cool, ça. Non, ça, c'est... En fait, même si c'est pas électrifié, tu te fais défoncer quand on te tape avec ça. Ah, d'accord, très bien. Ça a ouvert la porte. Normal, logique. Alors. Non, mais par contre, enfin... Stop danser la samba dans le plafond, c'est gavant. Alors, c'est ça maintenant, on doit activer. C'est pas Starlink. Franck, blablabla, genre on a masse le temps de lire des mails, c'est vrai, on a grave le temps. Ah, oui. Voilà, donc très bien, donc j'ai activé. J'ai fait quelque chose en particulier qui a changé quelque chose? Ma phrase n'était pas très française, mais c'est pas grave. Non, on l'a déjà fait, on va être d'accord, très bien. Par contre, casse-toi, je veux dire. Ah bah, j'ai cru que c'était lui qui ouvrait la porte. Il m'a fait bader. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Ah, ok. Ok, ok. Et Jean, il en manque une, c'est ça? On doit trouver la dernière. Fantastique! Il est plus dans le coin. Du coup, on doit aller où? Ah, c'est dans cette pièce que ça se passe, on est d'accord. Vous savez peut-être que je dois réutiliser l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Non, c'est déjà. Je peux plus rien faire avec ça, même si j'active ces trucs. Tout ça, c'est verrouillé, ouais, je suis d'accord. Il manque quelque chose. Ah, non! Non, mais je peux pas vendre le truc au-dessus? Apparemment, non. Attendez, qu'est-ce que l'objectif me dit? Taylor est blessé, kit d'urgence à San Cristobal. Ramenez-le à la station de transit. Trouver un kit d'urgence. Ok, bon. Écoutez, je pense que j'ai merdé. J'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû activer le truc du PC avant. Je sais pas. Bon, si je me retombe nez. Ouais, non mais c'est bon. Non mais laisse-moi par contre l'alien, c'est bon, t'as assez vu là. T'es fatigant. Tu es fatigant comme garçon. Ah, c'est là que je dois aller maintenant. Plein de corps. Plein de cadavres, wouh. Super, ah c'est ça que je dois prendre. Ok. Ok, le truc qui disparaît instant alors que c'est un truc. S'il est dans le vent, je suis tellement foutu. Ça a pas l'air d'être le cas. Et donc maintenant, ça fait quoi? Ah, il est au-dessus de moi. Ok, bon, je regarde vite fait l'ordinateur. Ce qui est horrible, c'est que quand vous regardez les ordi, vous êtes pas en mode pause. Ok, bon, je peux rien faire d'autre, mais je peux faire un truc de plus, on dirait. Et maintenant? Ah, il est parti, l'alien. Je vois pas du tout ce que je dois faire maintenant, c'est fantastique. Bon. Tant pis. Écoutez. Où est-ce qu'on doit poursuivre l'alien devant? Tout va bien. Y a pas une porte ici, là? Non mais, sans rire. Attendez, je regarde la map. Y a rien du tout ici, en fait, c'est pas possible. Terminal personnel, ouais, je l'ai déjà trouvé, vers l'étage des soins primaires. Et je dois trouver un kit d'urgence. Peut-être que ça a ouvert une porte là-bas. Peut-être ça. Écoutez, on va aller voir. Sauf si l'alien décide de me barrer la route. Mais il est toujours dans les toits ou est-ce qu'il est là, en fait? Est-ce qu'il est vraiment là? Non, je crois pas, hein. Je crois pas qu'il soit là. Hein. Il troll juste, en fait. Il est juste au-dessus et puis... C'est genre, ah, je suis là, mais non, trop pas. Alors, du coup, par où je vais? J'ai déjà looté ça, je crois. Ouais, mais donc, j'ai vu que j'ai crafté, c'est bon. Écoutez, on va sauvegarder un coup.
Ça coûte rien. Ça coûte rien. Allez vite. C'est terriblement stressant ce système de sauvegarde en plus. Par contre, le truc le plus terrible qui pourrait m'arriver, c'est que genre au moment où je sauvegarde, la hyène me bute. Ça c'est genre au moment où j'ai fini de sauvegarder, quick. Terminus, tout le monde descend. Ah, donc là maintenant je peux y accéder. Je crois que c'était pas le cas avant. Ah oui, j'ai déjà trop de fumigènes. Je m'en sers jamais des fumigènes. Je sais pas trop. En fait, l'alien, on se dit qu'il a probablement genre un sonar ou un moyen de. Ou un moyen de vous voir malgré la fumée ou. Ah, peut-être que je dois me servir de ça. Alors. Sixen. Accès au conduit. Ah oui. There's a Dr. Lingard, senior medical officer. She'll be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Oui, non, mais alors, le mec est marrant, quoi. Hurry, quoi. Non, mais, please, je fais ce que je peux. C'est bon, il est pas là. Putain, 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 putain. Il m'a vu. Ok, je suis mort. Ok. Ok, le truc m'a instant de vue, il m'a instant de dépop. J'adore. Super. Non, c'est sérieux, quoi. Bon, au moins, ça a le mérite de... Oui, c'est une belle main que tu as, la Benny. Merci, je suis mort. Tant pis, maintenant, je sais ce que je dois faire. Donc, en gros, ouais, depuis tout à l'heure, il me trollait dans les conduits. Et au moment où je fais avancer l'histoire, évidemment, là, il pop. Uniquement là. Du coup, maintenant, ce que je dois faire, je dois aller par là. Oh, il m'a direct vu, quoi. Genre, pff, il a pas hésité une seconde. Pourtant, je pensais m'être un peu caché, mais... Genre zéro, pas du tout. 0-0. Alors, voilà, c'est ici que je dois aller. Ori Wire System. Et hop. Il y a du temps à charger cette daube. On s'en fout de la purification de l'air. Voilà, voilà, elle descend. Maintenant, il faut aller dans la petite cabine. Voilà, genre là. Voilà, merci. L'autre, il va descendre. Non. Ah bah non. Mais c'est vrai que j'oublie trop souvent qu'il est pas scripté en fait. Et du coup, je peux avoir l'impression qu'il va me troller, mais pas du tout. Bon, on sort. On va à la conduite. Allez, hop, le vent. Alors là par contre, si je le vois, je suis tellement mal. Ah oui, non mais genre il est là. Non mais attendez. Vous foutez de moi là. Et donc je suis mort là. Il est genre sur moi en fait là. Non mais c'est pas possible, il est... Ok, il est parti. Allez, on remonte. Allez. Dans le noir, on n'a pas peur. Elle est longue cette échelle. Peut-être que ça va pouvoir me permettre de m'éloigner un peu de lui. Alors si t'es en haut, donne-moi la main. Voilà. Je sens la chute. Ok, il est où là? Ok, on est où là? What the... What the... Attendez, attendez, il faut monter, il faut rentrer là-dedans là pour se dire où est-ce qu'on est. Regardons la map où on en est. Très bien, alors. Aucune info, la map complètement grisée, j'ai rien détecté encore, c'est génial. Et notre ami Benny est pas dans le coin. Bon allez, on y va. On y va. Tranquillement. Les humains me manquent presque... En fait, les humains me manquent, là. Genre, je voudrais bien retrouver des humains. J'ai pas encore flingué un seul mec. C'est vrai, ça. On a une arme, mais elle nous sert à rien depuis le début. Genre, vraiment. Elle me sert vraiment à rien. D'accord, donc c'est une boîte en forme de boîte qu'on peut ouvrir, sauf qu'on ne peut pas l'ouvrir. Génial. En fait, je ne suis pas au bon endroit, mais bon, écoutez, on va explorer un peu. Ah, c'est quelque chose d'intéressant, ça. Il arrive. Non. Je me suis fait encore troller, c'est pas possible. Il était pas loin, hein. Mais non, ok. Et on m'a dit aussi ne jamais courir. Ah oui, genre là, il est vraiment pas loin du tout. Bon, là, ça va, il est loin. Ah, je dois aller là, je crois.
Ouais, je dois aller là. Ok. Ok. Des piles, je crois que c'est ça que je viens de trouver. De la camelot, j'en ai déjà au max. Ah, un terminal. Oh putain. Est-ce qu'il vient vers moi là? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, là il bouge là. Vite, on rentre. Où il est? Non mais attendez, vous êtes sérieux? Il est là-bas. À l'instant, il était juste devant la porte quoi. Mais j'y comprends rien, je... C'est pas possible. Ok, très bien. Alors, le terminal. Je suis caché derrière le PC, il me verra pas s'il rentre de toute façon. Utilitaire. Ah, cinématique. Mrs. Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to. I want to state. I have been placed under duress with regards to my patient zero. And Ransom, Season's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God, help me. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. D'accord, bah oui, hein, ça vous apprendra à pas suivre les protocoles de quarantaine, on va rentrer là-dedans histoire d'être sûr quand même, mais ça vous apprendra à pas suivre les protocoles de quarantaine, hein. Ça c'est terrible, hein. C'est Dallas qui l'a appris à ses dépens dans Alien 1, clairement. Ah, il vient de rentrer. Ah, il bave partout, hein. C'est pas très propre un Alien, hein. Alors Benny? Oh, Benny, il est là. Il est là, Benny. Oui. Tu peux sortir. Ah, par contre, s'il me trouve, là, je fais what, quoi. Genre, parce que je peux pas faire autrement que... Oui, allez, va-t'en. Dégage. Très bien. Bon, Benny, il est parti. Il est toujours dans le coin, néanmoins. Bon, ça va, il est parti. Ok. Benny, il peut pas s'empêcher de dire coucou très régulièrement, quand même, hein. Ok, maintenant on va par où? On va par ici. What? Mais ils sont sérieux? Ah d'accord, donc lui il revient en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Non mais c'est pas moi. Genre, eh ben, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je tourne le dos une minute et on fout le feu à mon installation. Oui, désolé. Ouais, alors là, très bien, donc là il bouge plus, je crois. Ouais, non, c'est ça. Parce que j'allais sortir en mode ouais, YOLO, c'est bon, il est plus là, mais si, il est là. Il s'en va. Ok, très bien. Là, le feu est toujours bien là. Il est beau le feu dans ce jeu. Le mec arrivait. Là, j'ai vu son ombre. Je crois qu'il est rentré là, non? Il est pas rentré? Ou c'est la porte qui vient de se fermer après mon passage, je crois que c'est ça. Oh là là, mais c'est relou parce que avant il faisait le tour, maintenant il reste plus que de mon côté. Là il bouge plus là. Ouais voilà. Ah oui d'accord, là il est reparti dans l'autre sens. Alors attendez, il faut que je regarde la forme de la map. Parce que après tout, alors donc là si je remonte et je vais à droite, il y a du feu, je peux pas. Donc faut que je fasse tout le tour. Oh là là, non mais l'enfer quoi. What, faut que j'aille juste là-bas? Jusque là-bas? Oui. Et du coup, comment? Combien? Attendez. Oh punaise, il y a un truc qui me touchait le bras. J'étais là, ouais, t'es un alien, non? Terrible. Je savais pas ce qui me... Je sais toujours pas ce qui me touchait, mais ça me touchait. C'est pas grave. Du coup... Bon, écoutez, on va passer par l'autre sens, du coup. C'est pas grave. Donc lui, il est juste en face. Allez, on va aller par là. Oh putain. Je crois qu'il était genre vraiment en face. Là j'ai eu chaud. Oh putain, vite. Là il a failli me griller parce que je l'ai entendu un peu s'énerver.
En mode... Tu vois la grosse mouche au-dessus de la porte bleue? Non. De toute façon, toutes les vannes que je fais en rapport avec Benny, les gens qui n'ont pas vu Benny de Mosinor ne pourront pas comprendre. Donc allez voir cette vidéo. Après celle-ci, évidemment. Ah bah oui, oui. Mais après cette vidéo, allez voir Benny de Mosinor. Hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et notre ami Benny Xenomorph est toujours dans le coin, a priori. Alors, est-ce qu'il... Et là, il est « come out, wherever you are ». Ah, il est là. Putain, j'espère qu'il n'a pas entendu. Il va me buter. Il va me buter. Non ! Non, mais c'est sérieux, ça ! Non, mais n'importe quoi ! Non, mais attendez ! Alors là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu deux commandes, parce qu'il y avait écrit LT pour retenir son souffle, ce que je faisais, et ensuite, il y a eu... LS, donc moi j'ai appuyé et du coup ça m'a lâché le truc. Non mais c'est nul, parce que c'est pas dans les contrôles ça. Punaise, je me suis fait vraiment avoir bêtement là. Bref, où j'en étais. Bon, c'est pas grave. On se retrouve quand j'aurai avancé un peu. A tout de suite. Ok, donc là, si vous avez un petit peu vu, je crois que je viens de comprendre comment ça fonctionne, la mécanique de retenir son souffle. Donc en effet, si vous le faites trop tôt, vous commencez à suffoquer, je crois que c'est ça hein, le délire. Et mais par contre, si vous le faites trop tard, vous faites choper. Un petit peu ça. Et je crois que j'ai perdu de la vie en fait en le faisant là, du coup. Enfin bref, c'est un peu vissard comme mécanique, ça marche pas mal. Donc là, notre ami est dans le coin. Après, où exactement, je sais pas trop. On va tenter d'y aller. Ça devrait bien se passer. Ok, je suis foutu, je suis foutu. Je suis foutu, là, je suis vraiment foutu. Je sais pas, parce que je pense qu'il m'a vu, là, quand même. J'étais genre en face de lui. Eh non, mais vous êtes sérieux, il m'a pas vu. Alors, tout à l'heure, le mec, œil de lynx... Et là, là c'était plutôt la taupe. Là, c'était plutôt l'œil de la taupe. Tout ce qui est taupe, c'est ma spécialité. Alors, donc il est parti, donc très bien. En fait, je lui ai fait peur. Je pense que ça doit être ça. Des fois, il est un peu timide, l'ami Benny. Il est de... Non, vous êtes sérieux? D'accord, il est parti là-bas. Il repassera par là. Nanananananana. Il est parti par ici. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non mais ça m'agace parce que je... Ces rondes sont tellement proches que j'ai jamais quoi faire quoi. Donc ok, là il est parti dans ce sens là. Oh, putain il revient. Non, c'est sérieux. C'est sérieux, rouvre-toi. Putain, vite. Oh je suis foutu là, je suis tellement foutu. S'il m'a pas vu il est débile. C'est sérieux? Il m'a pas vu le truc? Non mais c'est une blague. Genre j'étais juste devant lui quoi. Non mais il a pas de mémoire, c'est un poisson rouge genre. Il m'a vu, puis il a dit non mais il faut que je rentre dans la trappe. Et après une fois dans la trappe, non mais en fait c'est pas grave. Donc là, il... Ah bah là par contre s'il va pas me défoncer je suis lucky. D'accord. Donc l'IA est aux fraises des fois quand même, il faut le dire. Oh putain, j'ai rien dit. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Allez sors. Laisse-moi passer quoi. Oh putain. C'est bon? C'est bon? Non mais il est encore là. Il est juste là. Il est juste dans le coin de la porte. Dégage. C'est bon? Il est parti? Il est parti. Il est parti. Il effectue le monsieur, mais un peu trop quand même. C'est quoi ce bruit là? Il y a eu un bruit chelou. Bon, est-ce qu'il va enfin... Je rêve ou... Non mais... Oh, il fait à nouveau ses rondes là. Non mais c'est pas possible quoi. Comment je fais moi du coup? Ah, il fait ses rondes là. Alors attendez, je sais ce que je vais faire. Non, je vais pas faire ça. Parce que là, s'il se décide à aller... D'accord, donc il s'est barré totalement.
sais pas s'il m'a vu, mais j'espère pas. Il y a tellement rien pour se cacher dans ces couloirs, quoi. C'est pas possible. Je viens d'ici ? Je sais pas. Très bien. Il m'a pas vu. Oh là, là, je suis foutu. Il est sérieux ? Oh, le truc m'a tellement... J'ai tellement eu de chatte. Allez, tire-toi. C'est bien. Oh, le bol que j'ai. Oh, le bol que j'ai. Allez. On se casse par ici. Non, vous êtes sérieux ? Non, mais c'est pas possible. Oh ! Faut que je trouve quoi, maintenant ? Non, et oui ? Oui, et alors, du coup, faut que je la trouve où, la carte ? Ouais. Non, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je trouve la carte d'accès aux départements médicaux. Ok ? Et alors, je fais ça comment ? Objet, outil, arme. Merde, j'ai peut-être loupé un truc dans la salle où j'étais tout à l'heure. Non, j'ai rien loupé, j'y étais tout à l'heure et j'ai regardé partout la première fois que je suis mort. Oui, donc du coup... est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Parce qu'il faut que je me souvienne qu'est-ce que j'ai fait comme tour. Là, je crois que je suis allé à gauche et ensuite j'ai fait le grand tour. Hein. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est ici que l'alien a failli m'avoir, là. Au milieu, là, le truc que je pointe du milieu de l'écran. Bon, bah écoutez, on va regarder cette pièce. L'alien n'est pas dans le coin, donc on peut regarder un petit peu. J'ai tellement eu de peau. Ah. D'accord, juste un agent collant. Ah, notre coco revient ici. Je crois qu'il vient de rentrer dans un conduit. Non ? Il est où ? Ah oui, d'accord, il est juste là. Il vient de rentrer dans un conduit. Ce serait bien qu'il me foute la paix, genre pendant une bonne heure. Mon détecteur le voit toujours. Hein. Oui, voilà, il revient, j'en étais sûr. Et là, je parie qu'il va genre tomber dans la pièce ici, non ? Un truc comme ça ? Ah, il est derrière nous. Bon, il est parti. Bon, allez, on va regarder un peu. On va regarder un peu, il n'y a rien de bien. On va regarder par ici, tiens. On va rentrer ici avant de sauvegarder, voir où il est. Ah oui, je crois, il est au-dessus de nous, très bien. Bon, il est parti, on va sauvegarder là. Hop. Allez, sauvegarde. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode genre peut-être bien là. On va regarder ce qu'il y a dans le PC. Qu'est-ce qu'on a dans le PC ? J'ai vu qu'il y avait un plan à gauche. Ah, 2505. Ok. Non. Ok. Et on retourne là. Et là maintenant, on réfléchit à ce qu'on vient de faire. Parce que je sais pas du tout ce que je viens de faire. Je fais plein de trucs en même temps. Alors attendez. Verrou mot de passe, verrou carte magnétique. Ah d'accord, donc il y a un verrou mot de passe dans la salle, à côté du point sauvegarde. Je vais pas retourner là-bas, ça me gave. Il y a du feu en plus qui nous sépare. C'est gavant. Et alors du coup, où est notre ami Benny ? Benny ? Benny ? Benny s'en va, donc Benicio del Toro, non pardon, c'était pas ça que je voulais dire. Nice, on peut utiliser le pavé numérique. 2505, très bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé du coup ? Ah, la carte ! Nice ! J'ai la carte ! Manque plus que la rose des vents ! C'est bon, on est parti ! Ok, j'ai la carte ! J'ai la carte, Sylvain ! Ouh, toi, t'as pas l'air en forme. Ah, c'était toi, le chestburster. Attendez. Ah, il est pas là. Très bien. Ça me rassure. C'est en effet, c'est un peu un enfer. Ah oui, en plus, le vaisseau commence à se péter la gueule. Donc, évidemment... Écoutez, je pense qu'on va pas tarder à arrêter l'épisode
Sérieux, ça, il est juste devant. Magnifique. Un placard pour terminer l'épisode. C'est parfait. Ou attendez, enfin... Non, ça me gêne. Je vais trouver un point de sauvegarde. Je vais trouver le prochain point de sauvegarde et on va sauvegarder là. Comme ça, pas de regret. On est d'accord, c'est l'alien. Ça, c'est pas juste un random péon dans le coin. Pour faire autant de boucans dans les conduits d'aération, c'est lui. J'ai entendu un mec parler, là. Non, on est d'accord, il y a des gens. Il y a des gens. Ouais. Oui, alors ça, c'est sûr, c'est un mec. Maintenant, je le sais. Mais est-ce que c'est un mec gentil ou un mec méchant, du coup? Salut. Non, mais tu vas te faire défoncer, toi, si tu restes là. Juste comme ça. Oui, qu'est-ce que tu fais là, ici? Oui, c'est la bonne question. On va l'écouter un peu. Voir si... Ah, il a un gun. Ah ouais, il a... Ah ouais, non, mais il a un gun. Du coup, pas cool. Du coup, pas glop. Là, j'ai un problème. Parce que du coup, le mec est juste à côté. Ah, il est reparti là-bas. Très bien. C'est bien. Il ressemble beaucoup à Dallas avec sa coiffure. Revolver. Voilà, ça, c'est important. Au moins ça, contre les humains, ça marche. Très bien. Donc, il faut aller par là. On va éviter le mec, en fait. Hein. De toute façon, dans des situations de survie comme ça... Je pense que c'est lui, hein, le sujet zéro, hein, qui s'est fait chestburster la tronche. Qui s'est mangé un bon petit parasite des familles. Je pense que c'est lui et ça tremble encore, c'est fantastique. Il y a du mouvement. Ah, update de map. Ça, je prends. Il y a un mec là. Oui, on est d'accord, il y a un mec là-bas. Oh putain. Attendez. Ah, nice, je peux me cacher là. Parfait. Il a pas l'air méchant quand il parle, mais en même temps, tout à l'heure... Ah, je pense que quelqu'un va se faire buter, là, non? Mais genre, les gens parlent en mode... Oui, alors, on fait une petite tour, on fait une petite promenade, et puis t'as l'alien qui gueule derrière, genre, tout va bien, aucun problème. Je suis le seul à l'entendre, j'ai l'impression. C'est peut-être possible. Peut-être que c'est une hallucination. Non, c'est pas possible. Très bien, je crois qu'il s'est fait défoncer. Voilà, hein, faut tendre l'oreille quand on fait une ronde, hein, bande d'andouilles, voilà. Ah, ils se sont fait éclater la gueule, bon. Ah, du coup, parfait, ils servent d'appât. Très bien. C'est parfait, comme ça j'aurais pas à traiter avec ces mecs. Est-ce qu'il vient vers moi? Il vient vers moi. Est-ce qu'il m'a vu rentrer là-dedans? C'est la question aussi. C'est la question du trésor. Alors attendez. Là je crois qu'il est juste là. Je voulais finir l'épisode vite, mais ça va pas être le cas, désolé. Ah, il est là. Il arrive, super. Allez, casse-toi. Benny? Oh, il est là. Là, on retient bien la respiration. Ou alors on meurt. C'est bon. Oh, il a de belles dents. Oh, on va mourir d'asphyxie s'il reste là. Oh, on est en train de crever. Allez, tire-toi. Nice. C'est bon. La vache, là, on était en train de mourir, quoi. Vous avez vu, hein, les petits coins de l'écran qui devenaient rouges. Je sais pas si on perd de la vie, en fait, quand on fait ça. Mais c'est bien possible. Bon, il a l'air d'être parti. Ouais, on perd de la vie, hein. C'est bien ça. Du coup, un petit coup de medikit. Non mais attendez, il est sérieux. Je suis tellement dans la merde. Là, s'il me voit pas, j'ai trop de chance. Parce que là, je suis pas sous une table. Ah, je suis foutu. Il m'a pas vu. C'est fantastique. C'est merveilleux, il m'a pas vu.
Merde, on peut pas aller par là. On peut pas aller par là non plus. Ah si, c'est bon, on peut aller par là. Nickel. Oh, j'ai eu trop de chance. J'ai tellement eu trop de chance, quoi. Y a pas une planque là, genre là. Ce serait bien. Ah, je crois que j'ai trouvé le truc. Nice. J'ai trouvé les médicaments. Ouais. Oui, bah oui, bah... Forcément, la créature a entendu les coups de feu, donc génial. On va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Pff, un rapport d'usage. Rien en utilitaire. Bon, ok. On n'a pas le temps. En fait, le problème, c'est que ces ordi, on n'a pas le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que... C'est... Il est là-bas ou quoi? Je sais pas s'il est là-bas. Si, si, il est là-bas. Ok. Peut-être un mec après. Hein. Ah, attendez, il n'y a pas une station de sauvegarde. J'ai juste besoin de ça en fait. Genre ce serait parfait une station de sauvegarde. Ah, il y a un plafond dérobé. Nice. Ça me plaît. Parfait. Ah bah super. Ah, je peux aller par là peut-être. Non. A priori non. Ah, je peux aller par là. Attendez, il est genre dans les conduits là? Que si c'est le cas, je suis déçu un peu. Ok, on progresse bien. Cet épisode est certainement le plus long, mais c'est bien. J'aime bien cet épisode, parce qu'on avance bien. Ah la vache, ça va être en 60 FPS, en plus il va peser 10 tonnes, je vais mettre 4 ans à l'upload. Mais c'est pas grave, je m'y prends à l'avance, c'est l'avantage. Oh la vache, si je le croise ici, je suis tellement foutu. Genre, bien foutu, quoi. Je sais même pas où je vais, genre vraiment pas. Mais j'y vais. Si je le croise, genre... le flip intégral si je le croise, le truc. Bon, ça détecte rien, hein, donc ça a l'air d'aller. A priori, c'est par là. Quoique non, c'est par là. Y a rien ici. Ok, on avance bien. Ouvrir le conduit. Sortir. Et donc où on est où? C'est quoi ça? Alors je dois faire quoi avec ce truc? Ah c'est pour le courant. Ça fait un bruit de paix à chaque fois que je l'active. Super. Alors. Alors please. Please, je veux juste une station de sauvegarde. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh, c'est... D'accord, oui. Et donc, ça sert à quoi? J'écoute. Bon, ça l'a fait, en tout cas. Pas l'air d'avoir de zombies, n'importe quoi. Pas l'air d'avoir d'aliens dans le coin. Est-ce que ça m'a donné un truc utilisable? Alors, attendez, je regarde. Amorcer les procédures d'évacuation de la maison médicale. Non, c'est pas l'alien, ça, non. Oh putain, il est là. Par contre, il peut pas rentrer par la porte là-bas, on est d'accord. Il y avait du mélange B, lui. Je sais pas du tout ce que c'est, le mélange B, mais bon. Ah, je dois activer celui là-bas. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ce qui est vraiment raide, en fait, c'est que l'alien vous lâche jamais. Et vous êtes en permanence ultra tendu. Ah nice, une station de sauvegarde, parfait. Parfait, parfait, c'est la parfaite en semaine. On va activer ce truc. J'ai couru comme un gros sauvage, mais c'est pas grave. Ça fait vraiment un sale bruit, ce truc. Voilà. Hop. Et on peut sauvegarder. Fumigène, je suis déjà full. Ok. Ouh, bah voilà. Un épisode relativement... relativement fructueux. Ça s'est bien passé. On est mort plusieurs fois, mais c'est pas grave. Alors là, bon. Écoutez, la suite... Off. Start, c'est vrai, voilà, je suis comme ça, on va pas voir ce qui se passe, donc la suite ce sera au prochain épisode, le log 8, très prochainement,
Restez dans le coin, donc, pour les vidéos Star Citizen, les vidéos, je viens de faire tomber un studio, c'est pas grave, les vidéos Alpha Test et les tops qui arriveront bientôt, je vais faire un nouveau top, là, bientôt, soon, peut-être même un autre Alpha Test, j'ai déjà identifié le jeu, mais il faut que je me motive, c'est, les Alpha Tests, c'est beaucoup de boulot d'écriture, donc, je prends bien le temps de les faire, pour qu'ils soient bien comme il faut, bien comme je les aime, voilà. Donc, merci en tout cas à vous d'avoir suivi cet épisode. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous encore une fois pour flipper un peu nos races sur Alien Isolation. C'était plutôt marrant cette fois-ci, on a un peu galéré, mais on a réussi à avancer. Et là, j'ai l'impression qu'on fait bien avancer l'histoire. Là, on a un peu vu le mec qui était à l'origine du Chestburster qui s'est transformé du coup en Benny, notre ami Benny. On lui a donné un nom aussi, c'est important ça de le noter. On l'a baptisé et du coup voilà. Bon, j'arrête de dire des conneries. Je vous laisse donc ici. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma progression avec la chaîne YouTube. Laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement. Et voilà, j'ai tout dit. Portez-vous bien, à bientôt.